Bienvenue à cette deuxième saison du cycle des écritures dans les mondes anciens de l'IDARA, l'Institut des mondes rares, le PHE, BSR. Je rappelle très brièvement que l'IDARA est un institut créé en août 2020 par arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Sa mission est de sensibiliser et former le grand public aux langues rares, anciennes et contemporaines, et à leur culture. L'IDARA participe aussi à la valorisation et à la sauvegarde de ces langues à travers des actions de documentation. Deux offres principales sont actuellement disponibles pour tous les publics. D'une part, une offre de cours d'initiation, de découverte et d'approfondissement à diverses langues rares, contemporaines ou anciennes. D'autre part, une offre de vidéoconférence virtuelle, l'IDARA en ligne, disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous invite donc à visiter le site de l'IDARA où vous trouverez notre offre complète et pourrez vous donner des conférences de l'année passée. Je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Et vous trouverez tous les cycles, toutes les conférences du cycle de l'année passée sur notre chaîne YouTube, sur un autre lien que j'ai donné également dans le chat. Merci de vous expliquer. Et pour ce qui concerne la présente série, les écritures anciennes, quelques informations pratiques, comme l'année passée. L'inscription est obligatoire pour chaque conférence individuellement, toujours sur le même lien, Eventbrite, que vous trouverez en page 4 de la brochure de programme. Ce lien sera actualisé chaque fois le lendemain de la conférence précédente. Vous pouvez également visionner les conférences directement sur notre chaîne YouTube, où elles seront disponibles chaque fois dans les jours qui suivent. Et pour aujourd'hui, toujours comme l'année passée, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation. Après la présentation, vous pourrez poser des questions, soit en levant la petite main jaune, en bas à droite dans les actions de Zoom, soit en écrivant des questions dans le chat, et je me ferai votre porte-voix. Cette année, nous entreprendrons, à travers les écritures anciennes, un grand voyage qui nous fera aller des écritures pour partie méconnues, mais néanmoins historiquement majeures, et nous conduira de l'Occident, avec le monde libico-berbère et la Gaule, jusqu'aux steppes orientales de l'Asie, avec les écritures des empires Khitan et Tangut, en passant par le Proche-Orient, l'Égypte, l'Anatolie et l'Iran ancien. La première conférence, d'emblée, nous transportera du Proche-Orient ancien jusqu'à l'Asie centrale et au-delà, en retraçant le devenir historique extraordinaire de l'écriture syriaque et de ses dérivés. Sans plus attendre, j'ai donc le plaisir d'introduire notre première intervenante, Muriel Debier, qui nous parlera du sujet des écritures sans état, la hiérographie syriaque de la Méditerranée à l'Asie orientale. Muriel Debier est directrice d'études à l'École pratique des hautes études sur une chaire christianisme orientaux et membre senior de l'Institut universitaire de France. Elle catalogue des fonds de manuscrits syriaques du Proche-Orient, Liban et Irak, et fonde sur les manuscrits ses études en histoire des religions. Elle vient d'achever un livre intitulé « Alexandre le Grand en syriaque », du roman grec aux apocalypses chrétiennes et au Coran, qui paraîtra cette année encore aux Belles Lettres. Muriel, nous nous réjouissons de t'entendre. Merci beaucoup, Andreas, à la fois pour l'invitation et pour cette introduction. Donc, je voulais vous parler effectivement aujourd'hui des écritures syriaques et de leurs dérivés, en commençant par vous indiquer de quelle région nous parlons et de quelle langue nous parlons, c'est-à-dire la région de l'Osroène dans l'Antiquité. Une région qui est sans doute peu familière à la plupart des présents, et une région qui malheureusement est aujourd'hui sur tous vos écrans suite au tremblement de terre qui a eu lieu lundi, puisque l'Osroène est la région en fait de l'épicentre de ces tremblements de terre. Et donc j'ai une pensée émue ce soir pour toutes les personnes sur place, encore sous les décombres ou à l'extérieur, qui sont dans une situation extrêmement difficile. Je referme la parenthèse, je reviens à l'Antiquité pour vous indiquer donc sur la carte, au niveau du petit drapeau rouge, la ville qui va nous intéresser, à savoir la ville d'Édesse, ou de son nom ancien araméen, Ouroï. Édesse a commencé en étant un petit état semi-indépendant, qui se trouvait en zone frontière entre l'Empire parthe
qui deviendra ensuite l'Empire sassanide et l'Empire romain. Vous pouvez voir à l'écran un certain nombre de monnaies qui ont été frappées par les souverains d'Édesse, hein, que l'on appelle les Abgarides, du nom le plus commun porté par eux, à savoir Abgar ou Manou. Et vous pouvez voir ici les profils du roi Abgar, en particulier en bas à gauche Abgar X, qui porte à la fois la tiare élevée et le diadème, qui sont la couronne royale d'inspiration parthe. Et donc on est dans un monde qui est un monde des frontières, qui est un monde entre un monde familier pour nous, le monde romain, et un monde qui l'est beaucoup moins, à savoir le monde iranien. Et la langue syriaque elle-même se trouve à ses frontières, de même que l'écriture qui est notre sujet aujourd'hui. Vous voyez que l'Osroen se trouve en Mésopotamie du Nord, entre le Tigre et l'Euphrate, non loin de l'Arménie et des régions de la Sophène et de la Commagène. Et le petit royaume donc a fluctué entre les deux grands pouvoirs de son époque. Vous avez maintenant quelques images de ce qui a été une reconstruction de la mémoire de la ville d'Édesse, à savoir que la cité avait été visitée par Abraham. C'est une référence au texte biblique, au fait que Abraham était un errant et qu'il était passé par la ville de Kar ou Haran, qui se trouve à quelques kilomètres d'Édesse. Et à la période islamique, on a réactivé, si vous voulez, cette mention en faisant d'Abraham un des prophètes étant passé par la ville. Et vous apercevez en bas à droite la grotte d'Abraham dans laquelle on vient toujours se recueillir, ici du côté des femmes. Vous voyez le bassin d'Abraham dans lequel se trouvent des carpes sacrées qui auraient été relâchées par lui lorsqu'il était passé dans la région. Donc on est là, si vous voulez, dans une reconstruction mémorielle de l'histoire d'Édesse, qui est importante parce qu'elle repose sur l'idée d'un ancêtre araméen. À la période romaine, on a à Édesse un certain nombre de nécropoles que vous avez ici à l'écran. En haut à droite, vous voyez les tombes creusées dans les falaises en fait, qui entourent la ville. Vous apercevez à gauche une tombe alors plutôt patricienne, puisque on voit à droite et à gauche de l'entrée deux statues. La plupart des tombes sont beaucoup plus simples. On aperçoit l'entrée qui a été creusée plusieurs fois. Et on aperçoit également à gauche de l'entrée la pierre ronde, la meule, qui permettait de fermer cette tombe. Ces tombes étaient occupées donc par l'aristocratie édessénienne dans un monde à la fois de langue araméenne, mais aussi de langue grecque. Et vous avez en bas de l'écran une image d'une inscription bilingue. Vous voyez face à vous le syriaque et dans la partie à plat, le grec. Donc, Édesse doit son nom à la cité Édessa qui se trouvait en Mésopotamie, qui se trouvait en Macédoine, excusez-moi. Et la tradition veut que ce soit des colons macédoniens arrivés avec Alexandre le Grand ou bien son successeur, le roi Séleucos, qui aurait, sinon fondé, du moins refondé Édesse. Et donc son histoire dans les textes commence à la période hellénistique. Donc les nécropoles nous ont permis de mettre en évidence, si vous voulez, ce monde double à la fois araméen et grec. Et vous avez ici deux images de la citadelle telle qu'elle se trouvait avant les tremblements de terre. Je ne sais pas ce qui va en rester. Avec deux piliers dont un est inscrit en syriaque et mentionne une reine locale. Et vous avez à droite les murs de la forteresse qui datent sans doute de la période romaine mais qui a été de multiples fois reprise, les murs restaurés et la ville a été
réoccupés de manière continue jusqu'à aujourd'hui, si bien qu'on a assez peu de possibilités de faire, par exemple, des fouilles. Donc, tout a commencé avec, de fait, un petit état et des saignants, mais cet état passe sous contrôle romain au IIe siècle de notre ère hein, et perd son indépendance. On aurait pu penser que, du coup, la langue syriaque allait également disparaître, mais il n'en a rien été, puisqu'au contraire, elle est devenue une langue de culture et s'est répandue très largement vers la Méditerranée d'une part et vers l'Asie orientale d'autre part. Édesse, je vous le disais, est une cité où l'on parlait araméen et vous avez à l'écran une carte avec les différentes attestations d'araméen à différentes époques. L'araméen au singulier n'existe pas, c'est une variété en réalité de dialectes différents. Et vous avez trois couleurs différentes pour vous montrer trois moments de l'utilisation de l'araméen. Vous avez en violet les endroits où l'on a trouvé des documents araméens d'époque perse, c'est-à-dire le moment où les Perses achéménides se trouvent au Proche-Orient. Et vous voyez que l'on a des documents qui vont de l'Égypte à la Phrygie et jusqu'à la Bactriane. On a ensuite à l'étape suivante, celle qui commence à nous intéresser pour l'histoire d'Édesse, hein, qui est la période hellénistique, et donc vous avez en rouge les lieux, là aussi, qui vont de Taxila au nord du Pakistan jusqu'en Afghanistan actuel, à Kandahar, mais aussi en Arménie, en Géorgie. Une présence d'inscriptions araméennes qui montrent que la langue était en usage. Et puis enfin, vous avez en vert la période chronologique qui nous intéresse plus directement ici, qui est celle des Araméens moyens, qui est celle de l'Araméen d'Édesse, mais également du Khatréen, du Palmyrénien, du Nabatéen et de l'Araméen palestinien. Donc, l'alphabet araméen, je vous le rappelle, est issu de l'alphabet phénicien, vers le 9e siècle avant l'ère chrétienne. Et comme le phénicien, c'est un alphabet où l'on ne note que les consonnes, comme également les autres langues sémitiques, telles que l'hébreu ou l'arabe aujourd'hui. L'araméen a servi de langue de communication dans les périodes les plus anciennes et de langue officielle d'échange entre la Mésopotamie et l'Égypte. Après l'arrivée d'Alexandre le Grand, alors que le grec prend le dessus, particulièrement à la période hellénistique, l'araméen semble disparaître en partie, encore que vous avez vu en rouge les sites où l'on trouvait des inscriptions araméennes. Donc le grec semble triompher. Mais on voit réapparaître, dès la fin de la période hellénistique et au tournant de l'ère chrétienne, des formes locales qui n'avaient pas disparu, mais qui se dotent d'une écriture. C'est le cas à Édesse, et on parle donc d'araméen et d'essénien. C'est le cas également à Khatra, on parle de Khatréen, à Palmyre. C'est le cas également en Palestine et en Babylonie, avec les araméens locaux qui sont utilisés en particulier par les populations juives pour mettre par écrit le Talmud et les Targums. C'est également le cas du manichéen, qui est utilisé par les communautés manichéennes, là aussi depuis la Mésopotamie jusqu'en Asie centrale et en Chine. Et également le mandéen, en particulier en Mésopotamie du Sud. Donc l'araméen que l'on utilisait à l'époque achéménide, que l'on appelle aussi l'araméen d'Empire, qui était un araméen utilisé dans les chancelleries, se trouve à l'origine d'un certain nombre d'écritures qui permettent de noter des dialectes locaux. L'écriture est utilisée également pour noter d'autres langues que l'araméen au premier millénaire de notre ère. Cela permet de noter par exemple le moyen perse ou le pelvi dont vous entendrez parler cette année,
ou également le sogdien, dont vous entendrez également parler, et également sans doute a servi de modèle pour l'écriture mongole et l'écriture vieux-turque. Donc on voit que l'araméen d'Empire perd sa fonction, sa fonction de langue officielle, mais du coup cela permet à des araméens locaux de prendre toute leur place et de se développer. Donc vous avez là à l'écran des exemples d'araméens utilisés à la période achéménide, avec une inscription mentionnant le roi Azaël, le roi de Damas, qui est mentionné dans la Bible dans 1 Roi 19-15. Vous avez un ostracon d'Égypte et une tablette araméenne en argile qui date du VIe siècle avant l'ère chrétienne. Donc vous voyez qu'on a déjà, en dépit du fait que c'est une langue d'empire, une langue officielle, des variations dans la manière de noter cet araméen commun, dirais-je. Et ces différences, on va les trouver de manière encore plus importante à la période dite moyenne, lorsque les araméens locaux deviennent à leur tour des langues officielles des petits royaumes. Par exemple, le royaume nabatéen, vous avez un exemple en haut à gauche, ou le royaume rathréen, vous avez une stèle en bas à gauche. Et c'est le cas également de l'araméen et des signes. On trouve de l'araméen mandéen, je vous le disais, en Mésopotamie du Sud, et vous avez un exemple ici d'un bol magique. On a des bols magiques dans toutes sortes de variétés d'araméens que l'on a découvert pour l'essentiel en Mésopotamie du Sud, dans l'Irak actuel et également en Iran. Et donc, les différentes variétés d'araméens moyens sont représentées dans ces bols magiques, qui étaient des bols de protection que l'on posait dans les maisons retournées. Et puis, l'araméen sert également pour les corpus juifs, araméen juif de Palestine et araméen juif de Babylonie. Et ce sont, avec le syriaque, les seuls corpus où l'on produit de la littérature. Les autres formes d'araméen ne servent à noter que des inscriptions officielles comme celles que vous avez en haut à gauche, ou des inscriptions plus personnelles, funéraires, comme l'inscription rathréenne. À Édesse, nous avons le même phénomène avec donc l'apparition d'une forme écrite de l'araméen local. Vous avez ici un exemple de buste féminin funéraire avec une inscription en araméen et dessénien. Un autre exemple ici avec un autel en sang qui vient du sud de l'Osroène, donc un peu au sud d'Édesse ou Urhai. Et on écrit également, et c'est là quelque chose d'intéressant, que l'on a également en palmyrénien, on écrit des documents sur peau, comme c'est le cas ici, des peaux qui ont été traitées, et qui servent à écrire des contrats de vente la plupart du temps. Et ces contrats ont été retrouvés tout à fait par hasard sur les bords de l'Euphrate. Ils sont datés, donc celui-ci est daté de 245. Et l'intérêt de ces contrats, c'est qu'ils mentionnent qu'ils étaient conservés dans les archives de la ville d'Édesse. Les archives de la ville ont une importance très grande ensuite dans la littérature syriaque, puisque on utilise les archives pour authentifier des fictions. Donc, on va écrire, par exemple, des vies de saints. On va écrire le récit de la conversion au christianisme d'Édesse et de l'Osroène en disant que ces textes ont été retrouvés dans les archives de la ville. Donc, ça fonctionne un petit peu, si vous voulez, comme les fictions françaises du XVIIe siècle ou dans les romans. On explique que le manuscrit du roman a été trouvé dans un coffre, dans un grenier, a été redécouvert à Saragosse ou ailleurs. Comme un moyen, si vous voulez, d'authentifier le récit fictionnel du roman. Eh bien, ce procédé littéraire se trouve déjà dans la littérature syriaque, où l'on reprend
l'idée des archives de la ville pour dire qu'un certain nombre de documents y ont été conservés. Donc, des documents y ont été conservés, comme celui que vous avez sous les yeux. Malheureusement, ces archives ne nous sont pas parvenues, elles ont été détruites au fil du temps. Et donc, cette poignée de documents que l'on a retrouvés sur les bords de l'Euphrate en sont les seuls témoins. Mais on voit l'importance, j'allais dire, là aussi mémorielle que représentent les archives dans la littérature syriaque, puisqu'elles servent à authentifier fictionnellement les écrits syriaques. On trouve également des inscriptions en araméen et dessénien sur de très belles mosaïques funéraires. On a là un corpus très important qui a encore été très peu étudié et je prévois de publier en fait un livre réunissant ce corpus de mosaïques et d'esséniennes qui sont toutes de la période, alors qui sont toutes pré-chrétiennes, toutes celles-là sont pré-chrétiennes et on a trouvé récemment qui sont de la période chrétienne. Alors là aussi, je ne sais pas dans quel état elles vont être après le tremblement de terre. Certaines d'entre elles se trouvent au musée d'Édesse, d'autres toujours sur place dans les nécropoles. Ce que vous voyez ici, c'est la manière pour l'élite édessénienne de se faire représenter, de faire représenter sa famille dans les tombes telles que celles que vous avez vues en introduction. Et les mosaïques se trouvent au centre en fait, de la pièce où se trouvent les tombeaux, constituent des tapis centraux que l'on voit quand on se trouve à la porte, à l'entrée de la tombe. Et on voit représenter par exemple, ici en haut à droite, une famille avec des hommes, des femmes, mais aussi des enfants, des jeunes. Vous voyez la coiffure très typique avec des macarons, qui est la coiffure des jeunes filles ou la coiffure des servantes. Dans la mosaïque qui se trouve en bas à droite, vous avez une représentation de Nabgar. Alors, on ne sait pas si c'est un des rois d'Édesse ou si c'est simplement un patricien de la cité. Il a un très riche costume avec, semble-t-il, des représentations des astres. Et vous voyez en dessous l'identification de sa famille. Et donc, ces mosaïques sont très caractéristiques à la fois par l'influence parthe qu'elles manifestent dans le costume, notamment les bonnets que portent les hommes, mais aussi ces grandes coiffes très en hauteur que portent les femmes. À gauche, vous avez une représentation d'Orphée charmant les animaux avec sa lyre, ce qui est un motif très traditionnel dans les mosaïques romaines, mais qui a ici la particularité d'être inscrit en araméen et d'essénien, et c'est probablement une des plus belles mosaïques représentant Orphée qui nous soit parvenue de l'Antiquité. Donc on voit qu'on est là dans les trois premiers siècles de l'ère chrétienne, la ville est en train de se développer après les soubresauts de passage du monde parthe au monde romain. À ce moment-là, Édesse devient une ville sur les routes de communication du Proche-Orient et prend une importance qu'elle n'avait peut-être pas de manière qu'elle n'avait peut-être pas précédemment. Je vous remontre ici une carte plus complète allant jusqu'en Asie pour que vous voyez le chemin que parcourent la langue et l'écriture syriaque depuis Édesse vers la Méditerranée, ici Antioche, mais également sur les routes du commerce, soit les routes terrestres au nord vers l'Asie centrale et la Chine, mais aussi les routes commerciales par voie maritime qui passent par le golfe arabo-persique pour aller jusqu'en Inde. Et ce sont ces chemins que va suivre l'écriture syriaque. Pardon, je reviens en arrière au lieu d'avancer.
Et donc, l'écriture va suivre ses routes commerciales à partir du moment où elle est devenue le vecteur de la transmission du christianisme. Si l'araméen et dessénien n'a pas disparu à la période romaine, c'est parce que cet araméen est devenu la langue des chrétiens de la région. Édesse s'est converti au christianisme très tôt. On a des récits comme la doctrine d'Adai qui raconte comment le roi Abgar d'Édesse s'est converti au christianisme dès la période de vie de Jésus-Christ. Et donc, l'araméen édessénien devient le vecteur de la transmission du christianisme. Et c'est là que nous avons, comment dirais-je, une sorte de période obscure où nous ne savons pas comment on passe de l'araméen édessénien que vous venez de voir à ce que l'on appelle le syriaque, c'est-à-dire cette langue du christianisme, telle que vous la voyez ici dans des manuscrits. Et je vais vous montrer les documents datés les plus anciens qui nous sont parvenus. Vous avez à gauche un manuscrit conservé à la British Library qui date de 411, donc qui est un manuscrit extrêmement ancien. On n'a quasiment pas de manuscrit, on n'a pas de manuscrits grecs de cette période, ni de manuscrits latins, ils sont plus tardifs. Et donc on voit ici une écriture qui est déjà très maîtrisée, une mise en page qui est très maîtrisée, avec trois colonnes sur un parchemin de très bonne qualité, et donc qui suppose des écoles de copie, des écoles de calligraphie, puisqu'il faut apprendre à la fois à tracer les lettres, mais aussi à gérer l'espace de la mise en page. Et donc, des écoles chrétiennes se sont développées à Édesse dans les premiers siècles du christianisme. Nous les devinons aussi par la composition d'écrits en syriaque, mais nous n'avons pas d'attestation, si vous voulez, claire de la manière dont s'est transmise, a évolué aussi cette écriture entre l'écriture dite araméenne et dessénienne ou vieille syriaque et l'écriture que nous trouvons dans les manuscrits du 5e siècle, puisque nous avons un assez grand nombre de manuscrits syriaques du 5e siècle, dont beaucoup sont datés. Et nous en avons beaucoup également du 6e siècle. Donc l'écriture évolue dans cette période entre le 3e siècle et le 5e siècle, selon des modalités qui nous échappent parce que nous n'avons pas de documents qui nous permettent de suivre l'évolution de l'écriture. Mais ce que nous voyons, c'est très clairement avec ce manuscrit de 411, l'existence d'une école de calligraphie. Et dans des périodes un peu plus tardives, au 6e siècle, nous avons des copistes qui se déclarent copistes et desséniens, alors même qu'ils indiquent qu'ils viennent d'autres régions ou d'autres villages qu'Édesse. Cela suppose donc qu'ils étaient venus se former à l'écriture syriaque des livres, à l'écriture livresque, à Édesse, et qu'il devait y avoir donc des lieux d'enseignement. Il existait plusieurs écoles à Édesse, une école des Arméniens, une école dite des Perses, c'est-à-dire des chrétiens utilisant le syriaque qui venaient se former à Édesse, et une école dite des Syriens pour ceux dont le syriaque était la langue maternelle. Vous avez à droite de l'écran un exemple de mosaïque datant à peu près de la même période que le manuscrit de 406-407. Et vous voyez que là, on a une écriture différente de l'araméen et d'essénien, mais différente aussi de l'écriture des livres. Et c'est pourquoi je disais que l'écriture livresque était le résultat d'un travail de calligraphie et de formation spécifique des copistes. Alors, l'écriture syriaque continue à se développer dans les manuscrits. On peut suivre l'évolution
de cette écriture, et elle se développe aussi en lien avec d'autres langues avec lesquelles elle est en contact. Elle est en contact avec le grec, mais qui ne va pas avoir d'influence sur la forme de l'écriture, mais on trouve des manuscrits bilingues, des inscriptions bilingues, comme vous l'avez vu au début. Elle va se développer, cette écriture syriaque, aussi en lien avec une autre écriture adoptée par les chrétiens, une autre écriture araméenne que vous avez à gauche sur l'écran, qui est l'araméen christo-palestinien, c'est-à-dire la forme linguistique utilisée en Palestine par les chrétiens, qui est à peu près la même que celle qui est utilisée par les juifs en Palestine. Et donc, cette langue, cette forme dialectale, si vous voulez, d'araméen palestinien, utilisée par les communautés chrétiennes de Palestine, mais aussi de ce qui correspond à la Jordanie aujourd'hui, la Transjordanie, cette forme linguistique, donc, est mise par écrit avec une écriture particulière que vous avez donc, dans ce manuscrit, à partir du 5e siècle, 5e, 6e siècle. Cette écriture est très similaire à l'écriture syriaque, elle s'inspire de l'écriture syriaque, mais elle a été néanmoins développée pour montrer la différence entre l'araméen christo-palestinien et le syriaque, c'est-à-dire l'araméen édesséen. Et c'est là que la relation hiéroglossique entre les langues joue. C'est-à-dire que le syriaque, je vous renvoie pour la notion de hiéroglossie aux travaux menés par Jean-Noël Robert au Collège de France, qui a organisé plusieurs colloques et plusieurs publications sur ce thème, c'est-à-dire la relation dynamique entre des langues, dont une a souvent une dimension sacrée, et c'est le cas du syriaque, parce qu'il est censé être la langue de la conversion la plus ancienne des chrétiens. Et donc, le syriaque devient l'araméen standard, si vous voulez, des communautés chrétiennes. Mais au 5e, 6e siècle, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a des controverses religieuses importantes, et la majorité des syriacophones choisit la foi miaphysite, c'est-à-dire insiste sur l'unité des natures divines et humaines du Christ après l'incarnation, à la différence de l'Église byzantine qui insiste davantage sur la séparation entre les natures après l'incarnation. Et donc les chrétiens de langue syriaque vont peu à peu être considérés à partir du milieu du VIe siècle comme hérétiques par l'Église impériale byzantine et vont progressivement se séparer jusqu'à créer une église indépendante qui est appelée aujourd'hui l'église syriaque orthodoxe. En Palestine, le patriarcat de Jérusalem fait le choix de rester dans l'orthodoxie byzantine, fait le choix de reconnaître le concile de Chalcédoine de 451 qui avait été le concile de toutes les divisions, et donc partage la foi de l'Église impériale et essaie de se démarquer des chrétiens utilisant le syriaque. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles l'écriture araméenne christo-palestinienne se développe pour noter soit des inscriptions funéraires, puisque c'est le moyen de noter l'écriture, c'est le moyen de noter la langue locale que l'on utilise dans la vie quotidienne, et est utilisé également pour des traductions de textes grecs, traduits donc en araméen christo-palestinien. Donc cette forme d'écriture va être utilisé pour mettre par écrit des traductions du grec, mais on n'a quasiment pas de texte composé en araméen christo-palestinien, alors qu'on a un corpus très important de textes composés en syriaque. C'est certainement le corpus araméen littéraire le plus important qui nous est parvenu avec les araméens juifs de Palestine et de Babylonie. Donc l'araméen christo-palestinien ne parvient pas à véritablement
concurrencer le syriaque, et certaines communautés christo-palestiniennes utilisent le syriaque également, copient le syriaque et l'araméen christo-palestinien, non seulement dans son écriture manifeste qu'il vient du syriaque, mais également les textes montrent une influence du dialecte d'Édesse sur le dialecte de Palestine. Et donc, le syriaque est en position hiéroglossique dominante par rapport au christo-palestinien, parce que c'est la langue sacrée, c'est la langue liturgique des chrétiens de langue araméenne. On a traduit dès le IIe siècle le Nouveau Testament du grec en syriaque. On a, dès le IIe siècle également, une traduction complète de la Bible hébraïque faite en syriaque. Et donc, le syriaque devient le véhicule du christianisme pour les chrétiens de langue araméenne utilisant dans la vie quotidienne d'autres dialectes, et reste la langue dominante jusqu'à l'arrivée de l'islam. Même après l'arrivée de l'islam, l'arabisation, je ne parle pas de l'islamisation, mais de l'arabisation, c'est-à-dire l'utilisation de la langue et de l'écriture arabe, se fait très progressivement. Et lorsque les chrétiens de tradition syriaque passent à l'arabe, qui devient leur langue quotidienne, mais également souvent la langue de la liturgie, à partir du 9e, 10e siècle, on va continuer à écrire, on va se mettre à écrire, pardon, l'arabe en écriture syriaque. Donc on a un phénomène d'allographie, et vous avez un exemple de cela dans le manuscrit en bas à droite. Et ce phénomène d'allographie est appelé le garchouni, c'est-à-dire qu'on écrit de l'arabe, souvent de l'arabe moyen au sens linguistique du terme, c'est-à-dire que ça n'est pas de l'arabe classique, ça n'est pas de l'arabe coranique non plus, ce sont souvent des dialectes arabes locaux. Donc on écrit cet arabe moyen en écriture syriaque. Et quand on est un peu habitué, on reconnaît le garchouni assez facilement au fait que l'on a, comme dans la première ligne, l'avant-dernier mot, en partant de la droite, l'avant-dernier mot, on reconnaît l'article arabe al très facilement dans les manuscrits garchouni. Et vous avez un exemple en haut à droite de l'influence que la forme... j'allais dire, à la fois de l'écriture, mais aussi l'influence iconographique de l'arabe a pu avoir sur le syriaque à la période médiévale. Je vous remets ici la carte pour vous montrer la diffusion donc, du syriaque et de l'écriture syriaque sur les routes commerciales vers l'Asie centrale et la Chine, qui va nous intéresser immédiatement. Vous avez à droite de la carte une enluminure de manuscrits qui représente le roi byzantin Constantin et sa mère Hélène, de part et d'autre de la croix, mais qui sont en fait représentés sous les traits du petit-fils de Gengis Khan, Hulagu, et de Dokuz Khatun, son épouse. Et donc on voit ici l'influence qu'a pu avoir cette diffusion vers l'Asie centrale dans l'iconographie, mais aussi dans l'écriture syriaque sur les routes, sur les routes commerciales. Vous avez ici des exemples de cette écriture syriaque parvenue essentiellement par les communautés que l'on qualifie souvent de nestoriennes. On va parler aujourd'hui plutôt de communautés appartenant à l'Église de l'Est ou l'Église de l'Orient, c'est-à-dire l'Église qui se trouvait dans l'Empire perse, qui a une écriture propre. Et cette écriture des communautés syriaques orientales
se diffuse. Alors, en Asie centrale, vous avez ici un exemple à gauche d'une pierre funéraire qui vient de Kirghizie, et vous pouvez la voir en ce moment au Louvre dans l'exposition « Splendeur des oasis d'Ouzbékistan », puisqu'elle a été apportée à l'occasion de l'exposition. Donc, ce sont des pierres funéraires qui sont inscrites sur ces espèces de gros galets avec une croix de type syriaque oriental. Et puis, vous avez là, à droite trois photos de la très célèbre stèle de Xi'an. Stèle érigée, on a la date, le 7 janvier 781, qui raconte l'arrivée vers 650 de missionnaires de la tradition syriaque en Chine et de l'autorisation donnée par l'empereur de Chine de fonder des monastères et de s'installer dans la ville de Xi'an. Donc, la stèle est typique de la sphère chinoise. Elle est montée, comme vous voyez sur l'image, sur un dos de tortue. On a en haut des fleurs de lotus qui sont représentées. La stèle est inscrite pour l'essentiel en chinois, mais avec, comme vous le voyez sur les deux images à gauche de la photo de la stèle, on voit qu'elle est inscrite également en syriaque, et en syriaque sont donnés les noms de ceux qui sont habilités par l'empereur de Chine à s'installer et à également enseigner probablement à Xi'an. Donc cette stèle est très célèbre, vous pouvez en voir un moulage au musée Guimet à Paris. Il en existe plusieurs moulages qui ont été faits, elle est conservée aujourd'hui dans le musée des stèles de Xi'an. Et cette stèle atteste, si vous voulez, l'arrivée du christianisme de tradition syriaque, probablement par l'intermédiaire de marchands sogdiens, puisque les noms qui sont donnés ici ne sont pas tellement des noms venant du Proche-Orient, mais plutôt des noms d'Asie centrale, de personnages importants, certains peut-être chinois, convertis au christianisme, qui sont donc mentionnés ici. Bien avant l'arrivée de Marco Polo et des missionnaires latins qui sont en général mieux connus. Donc on voit que l'écriture syriaque a fait son chemin jusque dans le monde chinois très tôt. On a la mention sur cette stèle de l'existence d'un pape, c'est le mot papa qui est utilisé, d'un pape au Tibet. Le Tibet est appelé le Sinistan. Et donc, la stèle montre, si vous voulez, la présence non seulement de chrétiens, mais aussi d'un certain nombre de structures ecclésiales dans toute la zone de l'Asie centrale et jusqu'en Chine. Et on a également en Mongolie l'existence de galets comme celui de Kirghizie ou de sarcophages inscrits en syriaque. Par l'autre route, la route maritime, le christianisme est arrivé en Inde du sud-ouest, dans l'état qui est aujourd'hui le Kerala, la côte des épices, la côte du Malabar, si bien qu'on va appeler ces églises des églises Siro-Malabar ou Siro-Malankar. Mais on a, il faut le savoir aujourd'hui, 11 églises différentes de tradition syriaque et les communautés de tradition syriaque les plus nombreuses au monde. Non pas que tous les fidèles connaissent le syriaque, même s'il reste quelques prières en syriaque, l'essentiel de la liturgie se fait aujourd'hui en malayalam, la langue locale. Néanmoins, leur tradition à la fois liturgique et la langue de l'Église et le syriaque, et il y a des centaines de séminaristes qui aujourd'hui continuent à apprendre le syriaque en Inde, et on continue, comme vous le voyez à gauche pour l'église de Tripunitura, des inscriptions syriaques qui sont faites, et on voit là une intéressante
fusion entre le monde indien, le monde du catholique également, et le monde syriaque, puisque on a cette inscription en syriaque occidental. Et vous avez au milieu une lettre de la métropolite de l'église de l'Est de Trichour, également au Kerala, qui montre une forme d'écriture locale, d'écriture kéralaise à proprement parler, qui s'est développée à partir des modèles qui étaient ceux du Proche-Orient. Et vous avez un autre exemple à droite d'un manuscrit en écriture syriaque indienne. Et donc, l'écriture locale, si vous voulez, a évolué indépendamment de ces modèles du Proche-Orient, puisque les communautés qui se trouvaient là étaient très éloignées de leur centre d'origine et donc ont développé leur propre tradition d'écriture. La conversion au christianisme de l'Inde remonterait, si l'on en croit les églises locales, à Saint Thomas, qui aurait été donc vendu par Jésus à un marchand partant pour l'Inde et qui aurait donc converti l'Inde au christianisme, avec une deuxième vague de christianisation par probablement des marchands encore hein, venus du Proche-Orient au IVe ou Ve siècle. Donc on n'est pas évidemment très sûr de ce qui s'est passé dans les périodes les plus anciennes, puisque nous n'avons pas de documentation qui remonte à ce moment-là. Tout ce que nous avons est relativement tardif et date de la période de l'occupation portugaise de l'Inde. Mais cette tradition syriaque est très ancrée au Kerala encore aujourd'hui, et le syriaque est appris et pratiqué dans les milieux ecclésiastiques, et on continue aujourd'hui encore, lorsqu'on construit une église, à faire des inscriptions syriaques pour manifester la fondation de l'église. Et donc ces développements de l'écriture, des écritures syriaques plus exactement, sont en lien avec le cœur au Proche-Orient, mais manifestent aussi des évolutions graphiques qui sont liées à l'histoire des communautés et qui sont liées à leur milieu d'arrivée et l'influence des écritures et des langues avec lesquelles elles sont en contact. Je voudrais pour terminer vous montrer quelle est l'origine justement de ces écritures dérivées en revenant aux écritures classiques syriaques pour un instant, avec trois exemples. D'une part, un manuscrit que vous avez à gauche, qui est un manuscrit du VIe siècle, conservé à la British Library à Londres, qui nous montre un exemple de syriaque estrangela. En haut, un manuscrit conservé à Berlin qui nous montre un exemple d'écriture dite certo. Et enfin, en bas, au milieu, un manuscrit qui nous montre un exemple d'écriture syriaque orientale. Pendant longtemps, on a pensé que l'écriture estrangela, c'est-à-dire celle que vous avez sur le manuscrit de gauche, le manuscrit de Londres, que cette écriture estrangela, que vous avez vue aussi dans le manuscrit le plus ancien de 411, était la forme la plus ancienne d'écriture, et qu'à partir de l'estrangela, s'était développée une écriture plus cursive que vous avez dans le manuscrit de Berlin, le manuscrit Zarao. Vous le voyez, c'est une écriture plus fine, plus rapide. Et donc, on a pensé que le certo venait, d'une manière qu'on n'expliquait pas très bien, de l'estranghelo. Et le certo est attesté à partir du 8e siècle. Et il est intéressant de noter que c'est le moment aussi où apparaît la cursive grecque dans les manuscrits, où l'on passe donc de l'onciel, de la majuscule grecque, à la minuscule cursive grecque. Donc, dans les mêmes moments, on passe en syriaque de l'écriture estrangela à l'écriture certo.
L'écriture certo est utilisée par les Syriaques qui se trouvent à l'ouest du Tigre, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à l'Église impériale romaine, byzantine, ceux qui appartiennent à l'Église syriaque orthodoxe et ceux qui appartiennent à l'Église maronite. Et les maronites aujourd'hui appellent cette écriture d'ailleurs tout simplement le syriaque. Et c'est l'écriture qu'ils utilisaient et utilisent encore aujourd'hui le plus couramment. Les travaux de François de Bricquel-Chatonnet d'un côté et de John Hilley de l'autre ont montré qu'en réalité, il existait des formes cursives présentes de manière ancienne, y compris dans les manuscrits les plus anciens. Et vous avez un exemple avec le manuscrit de Londres. Si vous regardez la partie en plus petit de la colonne de gauche, vous voyez qu'on a un type d'écriture plus cursive. C'est ce que l'on appelle le colophon, c'est-à-dire la signature du manuscrit, du copiste, pardon. On a en syriaque de très nombreux colophons, de copistes très bavards, dans la plus pure tradition mésopotamienne. On a déjà cela sur les tablettes mésopotamiennes anciennes. Et les copistes syriaques continuent cette tradition, puisqu'ils signent en indiquant à quel moment ils ont terminé et la situation dans laquelle ils se trouvaient parfois quand ils ont fini d'écrire. Et ces colophons de manuscrits sont dans une écriture beaucoup plus rapide, beaucoup plus cursive que celle du texte. On retrouve ce type d'écriture rapide dans les documents comme celui de l'Euphrate que je vous ai montré tout à l'heure, et également dans un certain nombre d'inscriptions. Donc, cette écriture cursive était présente dès les débuts. Donc, on avait une écriture livresque qui est celle des manuscrits que vous avez dans les deux colonnes, et cette écriture cursive plus rapide dans la partie inférieure de la colonne. Et c'est à partir de cette écriture cursive que l'on va développer la forme du certo que vous avez dans le manuscrit Zarao 39. Donc, l'écriture du manuscrit Zarao 39 est utilisée par les Syriaques occidentaux. Et les Syriaques orientaux, qui eux se trouvaient au départ dans l'Empire perse, dans une église indépendante, autocéphale, l'église apostolique de l'Orient, ces communautés ont développé leur propre écriture, que vous voyez en bas, au milieu en bas, une écriture relativement carrée, que l'on appelle l'écriture syriaque orientale. Et donc, on a là, si vous voulez, deux traditions qui vont se développer, qui vont de pair avec l'usage de, alors non pas de dialectes syriaques différents, ce ne sont pas des dialectes, mais on a une phonologie du syriaque différente côté occidental, c'est-à-dire à l'ouest du Tigre, et côté oriental, c'est-à-dire à l'est du Tigre. Et à cette phonologie différente, à ces variantes dans la prononciation du syriaque, vont correspondre également des écritures différentes. Et ces écritures vont continuer à se différencier parce qu'elles sont aussi représentatives de communautés qui appartiennent à des églises différentes. Et donc, on ne peut pas séparer l'histoire de l'écriture syriaque à la fois de l'histoire des dialectes, mais aussi de l'histoire des églises variées de la tradition syriaque. Et donc, c'est là-dessus que je resterai pour insister en conclusion sur le fait que lorsque l'on parle d'araméen, l'araméen au singulier, ça n'existe pas. Ce sont des périodes différentes d'usage de l'araméen, mais aussi des variantes locales d'usage de l'araméen. Et le syriaque ne fait pas exception, puisqu'il est l'araméen de la ville d'Édesse ou de Urhai selon son nom araméen. Édesse est son nom grec, Urhai son nom araméen. Cet araméen d'Édesse, à son tour, va se ramifier avec des écritures différentes du côté occidental et du côté oriental, correspondantes aussi à des églises différentes et à des appartenances confessionnelles différentes.
Et ces différentes écritures vont se retrouver en Inde puisqu'on a les différentes églises présentes, tandis qu'en Asie centrale et en Chine, c'est plutôt l'église de l'Est, l'église de l'Orient, souvent appelée faussement nestorienne, qui a donné son écriture aux inscriptions d'Asie centrale et de Chine. Et donc, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur cette variété. Variété des araméens, mais aussi variété des écritures syriaques. Merci beaucoup, Muriel, pour ce panorama véritablement impressionnant du devenir historique de l'écriture syriaque. Ça me fait penser, si je peux juste mettre un petit souvenir personnel, quand on se promène dans la cité interdite de Pékin, on a les inscriptions plurilingue, plurigraphe, entre autres choses, Mandchou, parce que la dynastie était Mandchou. Et le Mandchou, eh bien, ça ressemble à peu près à ce qu'on a vu, parce que le Mandchou, par le sogdien, c'est en fait dérivé du syriaque. Voilà, donc on parle d'Édesse et puis on arrive jusqu'à Pékin. Voilà. Combien de personnes parlent encore les langues araméennes aujourd'hui? Alors, c'est compliqué. Si vous parlez du syriaque, qui est la langue classique, la langue standard, uniquement une poignée de prêtres, de moines qui l'ont appris au séminaire ou de passionnés qui essaient de le parler comme on parle un peu le latin. Mais ceci dit, on peut aujourd'hui échanger par exemple des textos en syriaque sans difficulté. Donc les moyens modernes de communication permettent de le faire. Si on parle maintenant des formes de néo-araméens, qui ne sont pas le syriaque, mais qui sont des araméens qui ont continué à être parlés, pas nécessairement mis par écrit, parfois mis par écrit, mais pas toujours, on a des communautés encore importantes de chrétiens, par exemple, qui parlent l'araméen en Irak, dans le Kurdistan irakien. Ils parlent plus souvent d'ailleurs alors, ce qu'ils appellent eux le syriaque, mais qui est en réalité une forme de néo-araméen, le sourette. Donc on a des communautés encore nombreuses. On a quelques communautés juives qui parlent également encore des néo-araméens, un petit peu enfin, les poignées qui restent en Irak, en Iran, en Turquie. En Turquie, dans la région qui a été frappée justement par le tremblement de terre, il y a encore quelques chrétiens, quelques juifs qui parlent des formes d'araméen moderne. Et puis dans les diasporas à travers le monde, là où se sont réfugiées ces populations depuis longtemps en réalité, on a aussi des locuteurs d'araméen moderne. Et donc, araméen, là aussi, à entendre au pluriel, avec des variantes dialectales très importantes, puisqu'on n'a pas toujours de mise par écrit, et donc pas de standardisation de ces dialectes. Pour les néo-araméens des chrétiens, on a une mise par écrit, avec certains néo-araméens qui vont être notés en lettres syriaques, parce que le syriaque conserve le prestige de la langue du christianisme, de la langue dans laquelle le roi Abgar a écrit à Jésus, c'est ce que raconte la doctrine d'Adai. Et donc il y a une dimension, si vous voulez, un peu de langue sacrée du syriaque. Et donc on a noté les néo-araméens en lettres syriaques, mais d'autres néo-araméens sont notés dans des alphabets latins. Donc ça, c'est lié plutôt à l'histoire des communautés en lien avec les missionnaires latins au XIXe siècle. Il y a des locuteurs résiduels. Alors, on a une question de Anne-Marie Urquand. Merci beaucoup, Muriel. C'était absolument passionnant. Je trouve aussi que vous avez bien de la chance d'avoir tous ces colophons aussi détaillés dans des manuscrits d'une telle antiquité. On ne peut pas en dire autant au latin. J'avais juste une petite curiosité. Qu'est-ce qu'on écrivait dans les bols magiques? Et est-ce que c'était en prose ou en vers, hein? Alors, on écrivait des formules pour empêcher les démons de s'attaquer en fait au foyer. Et donc, il y avait beaucoup de formules magiques pour repousser les démons. Et souvent, l'écriture se trouve enroulée autour du bol pour enfermer, lier, enchaîner en quelque sorte le démon. Et parfois, on a des représentations des démons à l'intérieur du bol, dans le fond du bol. Et les bols étaient mis à l'envers
Donc, on ne sait pas exactement, il devait y avoir un rituel, mais qui nous échappe parce qu'on n'a pas de description du rituel. Mais à l'intérieur des bols, ce sont des formules, alors souvent un peu comme les formules magiques abracadabra, c'est-à-dire des choses qui ne veulent rien dire. Protéger ainsi le foyer, et notamment, on a beaucoup de bols pour protéger les femmes enceintes et les bébés, puisqu'évidemment, la mortalité des femmes en couche et la mortalité infantile était très développée. C'est... Et donc, on a des milliers de bols. Comment on sait qu'ils étaient mis à l'envers? Parce qu'on les a retrouvés. On les a retrouvés en contexte archéologique, retournés. Et parfois, certains sont inscrits aussi à l'extérieur. D'accord. Et en fait, on emprisonnait le démon sous le bol, en somme? Oui, en quelque sorte, oui. Et c'est-à-dire que les paroles étaient destinées à l'enchaîner à l'intérieur du bol. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Et on a aussi d'ailleurs des chaudrons comme ça qui sont mentionnés. Dans les messes maronites, y compris à Paris, il y a de l'araméen. Oui, normalement il y a du syriaque dans les messes maronites. Au moins le Notre Père et parfois davantage. Il y a une tendance aujourd'hui à une resyriacisation de la liturgie. Les maronites se sont rattachés très tôt à l'Église catholique romaine et donc la liturgie est très latinisée dans le rite, pas dans la langue puisque la langue c'est de l'arabe, mais le rite est un rite latin et non pas un rite, très souvent pas un rite syriaque. Mais on a conservé néanmoins des parties de la liturgie en syriaque, hein, et aujourd'hui il y a une tendance à revenir aux origines, et donc à réintroduire des parties en syriaque dans la liturgie en arabe. La langue, comme l'écriture, est une langue de contact avec le grec, de contact avec le moyen perse, de contact avec les autres langues d'Asie et d'Inde. Et c'est une langue standard, une langue religieuse qui est devenue un signe d'appartenance à un certain nombre d'églises. C'est un petit peu comme ça qu'il faut la comprendre, hein. Ce qui n'empêche pas l'usage de formes dialectales d'araméen, aussi bien dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Un petit peu comme la différence entre l'arabe littéral et les arabes qui sont parlés au Liban, en Syrie, dans le Golfe ou au Maghreb, qui sont des formes dialectales différentes. Et bien pour le syriaque, c'est la même chose. Le syriaque est la forme standard utilisée par les chrétiens, mais qui pouvait par ailleurs parler des formes dialectales différentes selon l'endroit où ils se trouvaient ou parler tout à fait d'autres langues. Marie Aguil qui pose une question. Est-ce qu'à l'origine, les évangiles ont été écrits en araméen? Non, les évangiles ont été écrits en grec. L'araméen était la langue parlée par Jésus. On ne sait pas s'il parlait aussi le grec, mais en tout cas, il parlait l'araméen. Il connaissait sans doute un peu d'hébreu, mais l'araméen était devenu majoritaire en Palestine à son époque. Et les évangiles ont été écrits en grec, mais ils ont été traduits justement en araméen et dessénien, en syriaque, très tôt, puisque dès 150, on a ce qu'on appelle le diatessaron, c'est-à-dire une harmonie des évangiles, des quatre évangiles, traduits en syriaque. Et donc, l'araméen syriaque, si vous voulez, a été utilisé pour la traduction de l'Ancien et du Nouveau Testament et a servi très tôt aussi à écrire les premiers textes chrétiens, les Odes de Salomon ou bien encore le dialogue sur le destin de Bardezan d'Édesse, que l'on appelle le livre des lois des pays. Et donc, le syriaque, si vous voulez, en devenant la langue du christianisme, devient aussi une langue de culture et devient la langue de production d'un très important corpus littéraire. Est-ce que cela pourrait-il être un paradigme ou un modèle pour la diffusion des langues indo-européennes? Un paradigme inverse, puisque là, on va plutôt de l'ouest vers l'est, mais je pense que c'est... Non, ça n'a... Enfin, je ne sais pas si ça peut avoir quoi que ce soit en commun avec Enfin, si, que ça puisse expliquer en quoi que ce soit le fait que l'indo-européen s'est répandu. Là, on est dans des circonstances très particulières, c'est-à-dire c'est une langue qui se répand
avec une religion. Ça n'est pas une langue d'État, c'est-à-dire que ça a été la langue du royaume d'Édesse, hein, mais ensuite, elle n'a dû sa survie qu'au fait qu'elle était devenue une langue religieuse. Et donc, elle a été transmise par les marchands, mais pas pour faire du commerce. Elle a été transmise par les marchands qui étaient des marchands chrétiens, qui se sont installés ensuite en Inde, en Asie centrale, ou sont allés jusqu'en Chine. Donc, c'est vraiment une langue qui a été véhiculée par le parce qu'elle était la langue de véhicule du christianisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le Garchouni, d'abord d'où vient le terme, et ensuite sur les contextes d'emploi? Alors le terme, on ne sait pas d'où il vient justement, on a beaucoup d'hypothèses différentes, mais en fait on n'a aucune idée de l'origine du terme. Il sert à désigner donc la langue arabe mise par écrit avec des lettres syriaques, mais aujourd'hui on tente à parler de Garchouni pour d'autres phénomènes d'allographie syriaque. Par exemple, on va parler de Garchouni Malayalam, c'est-à-dire d'écriture de la langue malayalam en lettres syriaques, de Garchouni arménien, c'est-à-dire de la langue arménienne mise par écrit avec des lettres syriaques, de Garchouni grec, du grec mis par écrit en lettres syriaques, etc. Donc le terme tend aujourd'hui à être utilisé dans des contextes différents. Mais au départ, le Garchouni, c'est vraiment la mise par écrit de la langue arabe en lettres syriaques, probablement parce qu'on a affaire à des communautés qui utilisent l'arabe dans la vie quotidienne, mais qui ne sont pas nécessairement allées dans des écoles où ils ont appris à écrire l'arabe. Et donc, c'est plus facile de noter l'arabe dans les lettres syriaques qu'ils ont apprises à l'école par ailleurs. Et donc, le phénomène ne sert pas du tout à dissimuler quoi que ce soit, mais au contraire à affirmer une identité chrétienne de tradition syriaque. Donc, on peut utiliser l'arabe, mais on montre que l'on est chrétien en utilisant les lettres syriaques. Et en fait, la raison est sans doute pratique, c'est-à-dire que l'on va écrire avec les lettres avec lesquelles on est familier. Et on va écrire des formes d'arabe qui sont de l'arabe dit moyen, c'est-à-dire ce n'est pas de l'arabe standard, ce n'est pas de l'arabe littéraire. Ceux qui vont à l'école, qui apprennent l'arabe standard à l'école, l'écrivent en lettres arabes, même s'ils sont chrétiens. Et donc, ce sont souvent des prêtres qui, pour la liturgie, vont utiliser le Garchouni parce qu'ils sont familiers des lettres syriaques, mais en même temps, ils font la liturgie en arabe parce que c'est la langue des fidèles. Si je devais vous donner une raison d'apprendre le syriaque et l'écriture syriaque, sachez quand même que c'était la langue parlée au paradis par Dieu à Adam et Ève. Donc, on ne sait jamais, ça peut être utile dans l'autre monde d'avoir quelques bases. Bien, alors sur cet encouragement important, merci encore Muriel Debier pour cette conférence absolument passionnante. Et je vous invite déjà pour la prochaine conférence dans 2 semaines par Emmanuel Duprat sur langue et écriture gauloise, 1er siècle avant notre ère, 4e siècle de notre ère, écriture gauloise au pluriel, parce qu'il y en a plus d'une, mais je n'en dirai pas plus. Et je disais dans 2 semaines, en réalité, plus précisément dans 13 jours, car exceptionnellement, la conférence aura lieu non pas le jeudi, mais le mercredi, même heure. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.